Ça y est, Gérard, elles sont arrivées. De quoi? Les dates. De quoi tu parles? Les dates des élections, bien sûr. Très bien, parfait. Ça ne t'intéresse pas? Bon, franchement, j'ai autre chose à faire. Mais enfin, regarde ça. Les élections sont dans à peine un an. Il faut commencer à préparer ta campagne. Est-ce que tu crois franchement que j'ai besoin d'une campagne? Avec tout ce que j'ai fait pour cette ville, je serai réélu, campagne ou non. Et enfin, il faut s'y mettre, c'est important. J'aimerais finir la lecture du PLU 30. Alicia, les documents, là. Ah, l'équipe de Madame Courtois a déjà déposé son dossier. Vous sortez. Elle s'est inscrite depuis quand? Elle s'est inscrite depuis ce matin. Bon, ok. Tu me réunis l'équipe et réunion dès ce soir. Entendu, monsieur le maire, j'aime mieux ça. Mais, comment l'as-tu fait ça? C'était votre premier adjoint, il fallait s'y attendre. Bon, d'accord. Alicia, c'est pour quand, alors? Ah oui, une dernière chose, oui, monsieur le maire. Important, très important. Changez de cravate. Voilà, très bien, c'est parfait. Comme ça, on est les premiers à s'être inscrits, on va voir les boules. Ah, attends deux secondes, il faut que je signe les papiers. Entrez! J'ai votre café. Ah, parfait. C'est pas tous les jours qu'on prépare à gagner une mairie. John? Oui? N'oubliez pas de m'appeler la photographe. Il faut absolument qu'on commence la campagne rapidement. Et je veux la petite de la dernière fois. Elle était parfaite. Mais c'est la photographe officielle de la mairie. Et alors? Ça m'est égal, convainquez-la. Proposez-lui le double de ce qu'on lui donne, elle craquera. Très bien, pas de problème. Oui, donc... La photographe, c'est bon, John, il s'en charge. Mm-hmm. Là, il nous manque plus qu'un bon slogan de campagne. Donc, je sais pas si t'as une idée. On va voir les histoires. Souris à la vie. Tout fini pour la vie politique. Cours-toi et ça repart. C'est bon. On l'a, notre slogan! Bon, je raccroche ou tu raccroches? On raccroche à 3. 1, 2, 3. Bon, plus sérieusement, l'équipe adverse est au courant de notre projet. Parce que c'est notre projet! Ah ouais? Et tu sais comment il a réagi? Bah, comme d'habitude, il s'est énervé à convoquer toute son équipe municipale. Oh, le pauvre! Voici le poste, est arrivé. Ah, parfait! Tiens, je peux m'envoyer ça, s'il te plaît. Hop, moi, je prends mon cahier. Et on y va. Bon, on a beaucoup de choses à faire. Le logo. Ouais, ça va, on peut peut-être changer la couleur en violet peut-être. Violet, pas possible. Rouge. Rouge, c'est un peu trop coco, non? Sinon... Le slogan. Bonne idée. Le slogan. Le slogan. Tu penses qu'il va tout lire? Je sais pas.
Bon, il faut qu'on range des trucs. C'est pas mal. Il faut que tout soit carré. Tu vas te retrouver. Il faut que tout soit parfait avant l'arrivée du maire. Comme ça. 20 minutes de retard, mais sérieux. Mais le gars. Valérie. Valérie, vous avez vu l'heure? C'est immense. Vous voyez ce que vous me faites faire là? Mais l'ascenseur était en panne. Mais je ne veux rien savoir, moi je suis toujours présent, toujours à l'heure, c'est pas comme ça qu'on va gagner. Essayez, monsieur. On a pas mal de choses à faire. On commence par où? Le logo. Il est sur l'ordinateur. Voilà. Ça marche pas. On n'avait pas un technicien là, Nelly. Si, ça fait pas Tristan, mais ouais, faudra peut-être qu'il vienne. Ça marche pas. Vous l'avez en version papier? Version papier, version papier. Ah oui. Voilà. Il est bien, hein. Peut-être changer la couleur. Excellente idée, monsieur le maire. Vous avez pensé à du rouge pour vous? Non. Moi, je vois plus un violet. Ça serait parfait. Excellente idée, monsieur le maire. Justement, j'avais pensé, mais j'attendais votre avis. Et sinon, pour le slogan, j'avais pensé à quelque chose de percutant, de vif, d'intelligent. Sinon, on va à l'essentiel. On fait quelque chose de simple, bête à comprendre. Les gens sont idiots, faut se mettre à leur niveau. Ouais, donc on y va par le pas. Génial, c'est super intelligent ça. Bah ouais, c'est ça la politique. Vous embellissez cette campagne, vous devriez être fiers. Ouais, allô Mathilde? Ouais, faut qu'on se voit pour la suite. Si, c'est comme je pensais. Incapable d'être intelligent une seconde. Bête comme ses pieds aussi. Enfin bref. J'arrive tout de suite. Partir. Voilà, désolé, légèrement retenu. Vous savez notre affaire. T'as réussi ce que je t'ai dit?
madame, qu'est-ce que je vous sers? D'accord, un café. J'ai pas été assez proche pour vous poser. Mais t'inquiète, j'y arriverai. C'est plus que vital, Pompe. Il faut absolument que tu chopes ce dossier par tous les moyens possibles, ok? Ouais, bah, je crois que c'est facile, toi. J'ai fait Léna pour te mettre à sa place. Alicia, t'inquiète pas, ce sera bientôt fini, ok? C'est pas qu'une question de temps, d'accord? 6,50, s'il vous plaît. Mettez sur mon compte. Très bien. Pour la 6. Mais Marc, il était mignon. C'est pas pareil. Et puis au moins, j'ai une bonne place dans la mairie. C'est parfois, tu fais pas. Ce sera bientôt fini. Dès qu'elle aura gagné la mairie, on pourra faire ce qu'on veut. C'est plus qu'une question de temps. J'ai des fichus rapports à finir. Bah, et ton café? Voilà, après tout, c'est toi qui l'as payé. Bonne journée, madame. Mathilde! Putain, Mathilde, c'est quoi ça? Montre. Jeanne Courtois, candidate candidate à remporter la ville de Auray-sous-Bois dans la tourmente. Elliot, un jeune garçon de 15 ans, a déposé plainte ce matin pour attouchement sexuel. Une accusation grave qui pourrait remettre en cause sa candidature à quelques semaines de l'élection. L'enfoiré. Mais putain, c'est qui ce Elliot? Je le connais pas, moi! Panique pas, je le sais bien, c'est le garçon créé de toutes pièces. Un piège de l'équipe adverse. L'enfoiré. Oh putain, fils de... Bon, ça va, pas besoin d'être vulgaire, merde. Bon, c'est quoi la solution? On fait quoi? Il faut contre-attaquer, sortir quelque chose contre lui. Il a bien un défaut ou une faille? Mais non, c'est bien le problème. Il a rien foutu de son mandat, mais qu'est-ce que tu veux que je lui reproche? Ça a été un mollusque. C'est moi qui ai tout fait. Tentative d'attouchement sur sa secrétaire? Non, trop répétitif avec moi. Tentative d'attouchement sur son assistant? Non, trop gay. Tentative d'attouchement sur son... chien? Un peu trop zoophile. Et arrête avec les attouchements! Détournement de fonds? Quel fou! Il a déjà touché depuis longtemps! Mais t'es bête ou quoi, détournement de l'argent public de la mairie? Ah ouais, pas bête. Bon, j'ai un plan. J'ai une amie à la mairie qui doit rendre un service. Je lui ai demandé de fouiller dans un ou deux dossiers. Trouvera bien une faille. Ok? Et moi je fais quoi en attendant? Je nie? Évidemment que tu vas nier. Je vais appeler le journaliste qui est Chris Torchon. Je lui ai demandé de prendre ta version. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Sa tête. Oh, je sais, je sais. De toute façon, je vous l'avais dit. Hein. N'importe quelle condition, je l'avais lu. C'est vrai, on avance bien. Très bien, même. Si ça se trouve, il n'y aura même pas de second tour. Allô? Allô? À lui? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le dossier 47 affûté. Là où j'ai eu la main lourde dans les dépenses. Merde! Faut trouver une solution! Tu
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on a une liste pour ce genre de situation. Où est-ce qu'elle est? Ici. Alors la liste. Alors en première règle, ne pas crier. Pas l'idée. Seconde règle, cacher les preuves. Vous brûlez le dossier. Il faut brûler le dossier 47. Là-bas. Regardez, le dossier a été déplacé. Quelqu'un a vu dans le bureau. On le brûlera plus tard. Sinon, troisième règle, ne pas parler à la presse. Très important. Elle n'existe pas. On ne lui parle pas, surtout elle n'approche pas de la merde. Je vais ranger cette liste. Merde. Partez. Franchement, je ne comprends jamais pourquoi vous n'avez pas imposé cette corvée à Mathis. Oh, mais John, vous êtes un mec. On va aller à la pêche au bois, là. Il faut que je sois séduisante. Excuse-moi, mais Mathilde, niveau conseil vestimentaire, il y a mieux. Ah, parce que vous pensez sincèrement que je peux être de bons conseils. Vous me trouvez belle, séduisante, désirable. Oui, vous êtes sublime. Eh ben voilà, parfait. Mathilde n'aurait jamais dit ça. Par contre, c'est vraiment obligatoire les talons. John, il faut aller chercher des électeurs. En parlant de ça, je vous veux un beau gosse tombeur pour tout à l'heure. C'est clair? Oui, très clair. Et Mathilde dans cette histoire? Elle a mystérieusement une course à faire à ce moment-là. Non mais Mathilde, c'est bien pour le côté organisation, mais pour le côté campagne, enfin, je peux pas m'afficher à côté d'elle, la honte sérieuse. Non mais c'est vrai, j'aime bien, hein. Je vous ai dit, la rouge vaut mieux que la bleue. Et moi, je vous dis qu'il est hors de question que je mette la rouge. Je vais ressembler à un communiste de bas étage. Et Alicia, vous êtes ma conseillère, pas mon avis. Eh bien, en tant que conseillère, je vous ferai remarquer que votre adversaire s'en va super sexy. Alors, vous devriez faire pareil. Dans son cas, il y a du boulot. Pardon? Non, elle n'a rien dit. Vous êtes sublime, monsieur. Eh, vous, ça va, hein. Vous êtes toujours à dire que tout va bien. Oh. Alicia, à votre avis? Bon, très bien. On y va. N'oubliez pas les tracts, monsieur. Club, club, club.
Jean Abridou. Évidemment, évidemment. Les ingénieurs du son. Ah, Tissia qui a fait un rire, le rire spécial. Monsieur Bridou, on a un pour toi. Monsieur Bridou. Bien sûr que j'ai entendu, j'ai dû mort de rire aussi. Sera effective dès que j'aurai fini de remettre cette cravate là, parce que elle n'arrête pas de bouger, c'est pénible. Arrête de penser à ta cravate, d'accord? Pense plutôt à des arguments pour le débat. Et j'ai pas besoin d'arguments, je t'ai dit que je vais démolir de toute façon. Arrête avec tes questions.
Et pour l'immigration, c'est un thème qui va forcément aborder. Ne t'inquiète pas pour ça, je dirais qu'on n'a pas... Foutre dehors, tout simplement, un grand coup de pied au cul, de toute façon. Je l'ai dit, je ne supporte pas les évadés fiscaux. Fous dehors, tout simplement, de nos. Bon, pas trop dans l'excès, d'accord. Je te conseille d'éviter la question 6 ans. Bon, sinon, s'il parle de ta main lourde sur les dépenses. Et je lis tout en bloc. De toute façon, c'est faux. Je n'ai rien fait. Et puis, de toute façon, moi, je m'appelle pas jeune. J'ai pas tripoté. L'argent des caisses de la mairie. J'ai les mains propres, moi. Pas de soucis à me faire. Madame Courtois. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez bien? Pas bien, merci. Mieux que mon adresse, en tout cas. Bien. Gardez tout ça pour le débarque. On commence dans une minute. Merci. Ah, je vous présente... Merci, mais je peux me présenter moi. Pierre Chazelle, c'est moi qui anime le débat. On commence dans une minute, je vous attends. Très bien, très bien. Générique dans 30 secondes. Code. Quoi un café, un thé, un dossier sur Jeanne. Générique dans 10 secondes. Changer de cravate. 5, 4, 3, 2, 1, top générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat en direct sur le Nou TV. À quelques heures des élections, je vais recevoir sur ce plateau les deux candidats à la mairie. À ma droite, Jeanne Courtois, 45 ans, ancienne première adjointe au maire, et à ma gauche, l'actuel maire élu de la commune, Gérard Bridoux. Ils auront chacun 5 minutes pour se présenter, pour vous convaincre, vous, électeurs, sur ce plateau ou derrière votre écran. Les voici. Bonjour à vous deux, bienvenue sur ce plateau. Suite au tirage au sort qui s'est déroulé, c'est à vous, monsieur Bridoux, de commencer. Alors déjà, je souhaite dire que je suis ravi d'avoir en face de moi mon ex-première adjointe, celle qui m'a donc suivi pendant toute la première moitié de mon mandat. Hâte de découvrir la suite. Qui sera sans aucun doute un vulgaire coquille. Mais je vais vous laisser la parole, madame la première adjointe. Alors, monsieur Bridoux, merci pour cette merveilleuse introduction, mais sachez qu'aujourd'hui, vous n'êtes ni monsieur le maire et que je ne suis pas votre ex-première adjointe. Nous sommes deux candidats à égalité. Donc, très grossièrement, je vous appellerai monsieur Bridoux. Mais vous avez parfaitement raison, madame la première adjointe. Bien, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, avec notre premier thème. Premier thème de ce débat, les impôts. Monsieur Bridoux, lors de votre précédent mandat, vous avez dit de les baisser. Qu'en est-il? Les baisser? Il les a augmentés, oui, et très largement. Les pauvres de ce village sont encore bien plus pauvres qu'avant. Moi, je pense que... Excusez-moi, vous vous appelez monsieur Bridoux? Non. Alors, monsieur Bridoux, votre réponse. Même pas capable de défendre son propre bilan. Je viens, pas besoin de faire un mélodrame. Ah, voilà. On les fout dehors, un grand coup de pied. Bref, passons tout de suite à notre deuxième thème. Deuxième thème de ce débat, l'immigration. Madame Courtois, votre avis? Eh bien, je pense qu'il faut faire en sorte d'aider les personnes dans le besoin. Ce sera vraiment dans les premiers mois de mon mandat que je mettrai en place cette politique. Ah oui. Vous n'êtes pas d'accord? Mais je vous ai diminué dès le premier trimestre. Un TGV de retard? Mais c'est pas grave, on a l'habitude avec vous. Pardon? Ah oui, je n'y crois nullement. Mais qu'est-ce que ça veut plus? C'est quoi ces croquignolesques que votre histoire? Mon pauvre ami, vous n'êtes qu'un imposteur! Et puis vous, la violeuse d'enfant? Raciste! Vous, la botte gauche? Faites comme une palisse empoignée! Non, mais qu'est-ce que ça veut plus, la mégère, les couilles sur un plateau? Stop! Merci de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement pour un nouveau débat.
qu'est-ce que t'as fait? Je veux torpiller ton élection. Oh, mais bien sûr que non, elle est passée pour bien plus folle que moi. Ils sont pas fous, les électeurs. Ouais, bon, d'accord. Un peu fou. Bon, ils sont bêtes, d'accord. Mais comment on peut faire pour rattraper ça? J'en sais rien du tout. On va dire pour l'instant. On nous voit perdre à. 4550 points. Quoi? Mais ça veut rien dire ça, Alicia. Vous êtes sur des chiffres là? Ah, pardon. Ça c'était votre salaire. Votre salaire. Plutôt 40 à 60. Ouais, effectivement. C'est pas génial. Mais quand ont lieu les prochaines élections? Les élections? C'est demain. Déjà? Non mais il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt, au moins un an en avance. Avec, toi, avec le peu que j'ai fait pour cette ville, je ne serais jamais réélu. Bon, monsieur le maire, au lieu de vous lamenter sur votre sort, ce serait bien d'aller préparer le bureau électoral. Parce que je ne vais pas tout faire toute seule non plus. Vous avez raison. Je vais vous aider. Allons-y. Bien. Après une campagne acharnée entre les deux camps, nous allons savoir dans quelques secondes, à 20h précisément, le résultat de cette campagne. Attention! Eh bien, c'est Jeanne Courtois qui remporte la mairie. Elle bat Gérard Bridoux, le maire depuis deux mandats, avec un score de 68%. Un vrai pied de nez fait au machisme populaire qui entourait cette élection depuis le début. Prélassé dans mon canapé avec ma retraite d'élu. Maintenant que je t'ai aidé à gagner, à toi de jouer. Ouais, c'est ça, sale goujat. T'aurais pas vu, Alicia? Je suis là! Salut, papa! Bonsoir, ma fille. Ça va, pas trop déçu? Ça va, maman? Eh ben, une belle boîte d'escroc, non? Oh, tu crois? Je vois pas ce qu'on a fait une mal. Bon, bah, moi,
Après toutes ces émotions, je vais aller chercher le pain. Ah, bonne idée. Chérie? Oui. Juste une dernière chose. Oui. Change de cravate. Ouais.